continue à travailler, à moins que nos invités ne souhaitent vous appeler pour un autre défi. Et ici, tout de suite, c'est l'imitateur avec Céline. Je pense que c'est Patrick. Patrick, on pense que vous êtes imitateur. On va en juger très vite, hein. On y va, quatrième défi. Patrick, nous attendons de vous écouter. Nous jugerons en notre âme et conscience. On y va, vous êtes imitateur, donc. Comme une star de ciné, va couler au jugement. Alors avec elle, poser tout ce temps, juste pour un bout d'essayer à la Century Fox. Qui méprise sa proie en prenant le flipper. C'est pas possible, ça. La chanson qui courait, et oui, tous les mots qu'elle lui met semblaient briser son cœur, la proposition de la peau. Là, 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 là. Ah, elle en faisait. Ah, un peu trop, ma biche. La fille aux yeux mentalement, enfin, dis donc. Hollywood, ah, et dans sa tête, rien d'autre, tout seul là-bas, répète. Ah, sont entrés dans un studio, mesdames et messieurs, bonsoir, décor couleur mentalo, hein. Ou perdu dans ce mégalo. Ouais, je suis de trop. Mais je suis pas. Merci Patrick. C'est mieux, pas mal Patrick, super. Et une standing ovation. Ah ouais. Pour notre Patrick. Patrick. Toi, hein. Bravo Patrick. Félicitations. À mon avis, ça va se retrouver tout de suite dans les votes. Évidemment. Et 93% du public est convaincu par notre Patrick en imitateur. Ah ouais. Il est bon, il est bon, hein. Danseur de samba. Danseur ou danseuse, question. La... L'autre n'est pas l'hérésie, le guet Pierre. Et l'homme dit, vous êtes en train de me bassiner. Je lui dis oui peut-être, mais en tout cas, je ne joue pas de piano, moi. Un petit mot bravo.